Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Pyrrhomus pour ce nouvel épisode de Mad Max. J'en chie déjà dès le début. Comme vous avez pu le voir, on a toujours le V8 en face. Combien est-ce qu'on a gagné un petit peu de ferraille? 804, c'est pas épique. C'est pas épique de la mort qui tue. Moteur, c'était ici. Hop, il en faut 2900 nous. Donc on a encore beaucoup de choses à farmer, entre guillemets. Tiens, j'ai fait une petite pause. Beaucoup d'entre vous m'ont parlé donc de ce jeu. C'est un disque, il est valable de le finir à 100%. Alors je vais vous poser la question, est-ce que quand vous dites finir à 100%, c'est faire toutes les décharges par exemple? Parce que les décharges, c'est pas drôle et ça rapporte pas des masses. Bon. Moi, je sais pas. Après, je compte faire peut-être toutes les missions, enfin normalement, toutes les missions secondaires. Ça, c'est certain, je les ferai. Toutes les courses aussi. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Tous les camps, ça c'est certain. Tout ça c'est certain. Tous les sauts aussi. Et aussi, sans doute, toutes les informations. Et toutes ces petites choses. Toutes les rencontres en fait, voilà. Donc, moi, après, je demande votre avis. Est-ce que ça vous intéresse de le voir? Est-ce que vous avez des idées? Par exemple, parce que je le fais entre guillemets en speedrun, en timelapse, vous savez les différentes décharges par exemple, parce que je l'ai fait en montrant que ce qui est entre deux, en faisant du speed, en augmentant la vitesse entre chaque trajet, je sais pas. À vous de me dire, est-ce que vous avez des idées à ce sujet là? On arrive quand même, je pense, à la fin du contenu du jeu. Je ne sais pas, à vrai dire, je sais pas où est-ce qu'on en est du tout dans le jeu, je me suis pas du tout spoilé. Donc je sais pas, à vous de me dire ce que vous en pensez, chers amis. Moi, c'est votre avis compte, comme toujours. Donc franchement, n'hésitez pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas encore le V8, j'aimerais calmer le jeu par là. Parce que vous voyez que c'est encore très très rouge. Donc j'aimerais peut-être calmer le jeu, peut-être ici. Hop, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a le petit point juste avant. Ça pourrait être sympa. Bon, ouais, allez, on part là-dessus. Par exemple. Par exemple. Je me TP là, et on y va. Hop. C'est parti. Hop les. Hop. Boum. C'est ma voiture qui a tout pris par contre, ça c'est dégueulasse. Alors juste pour voir, tiens, on n'a pas refait ça depuis longtemps. Répare, la vitesse à laquelle il répare. Ouh. Ça va vite. Sniper. Deux snipers. Allez. What? Ah, c'est lui qui me vise. Ok. Aïe. What? Aïe. Oula. Ah, ça pue, chers amis. Ça pue. Ah, il s'enfuit. Bon, fuyez-vous les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par contre, j'aimerais bien le tuer, lui. Il est quand même pas... Ah, putain, il est protégé, je crois. Il doit être protégé, en fait, ce sac. Est-ce que je vais pouvoir le viser d'en bas? Je suis curieux de savoir si je l'ai eu, tiens. Apparemment non.
Alors lui il est là. Je vais essayer d'aller le voir. Hop. Bonjour. See that, my strange myrtling? The Scrotus swine herd can be reached both sides of the bridge. This camp is strategic for Scrotus, on account it's so close to Pink Eye Silo. Ouais, c'est pas faux. Relique historique au sud du camp. D'accord. Entrée secrète à la base du pont. Ce qu'ils appellent la base du pont, j'imagine que c'est là-bas. Où est la voiture? En parlant de voiture. Je préfère, oui, cassez-vous, ça vaudra mieux. Franchement, il me casse les noix celui-là, chers amis. Il me casse sincèrement les noix. Ça y est, je l'ai eu. Nom de Dieu. Alors lui, je sais pas où est-ce qu'il est. Alors lui, il est encore en face d'un truc. Ça secoue, ça secoue. Vendu. On recule. On recule, j'ai dit. Oh putain qu'il est lent. Allez, remonte. Encore un peu. Encore un peu. Encore un peu. Ça, c'est de la position de tir, ça. Hop. Hop. C'est ça qui est bon, chers amis. Là-bas, il y a encore un truc à casser, j'ai l'impression. Tube lance-flamme. Aboyeur, deuxième. Raté. Tant pis, j'ai passé par la base. Oh non, je vais faire tout le long du pont. Ça va être classe. Bon, par contre, il va me falloir un cheval de Skyrim. Hop. Et là, il y a une catapulte. Voilà, il n'y a plus de bonhomme autour. Oh non! Mais non, tu racontes de la merde! Hop là! Parfait! Ok! Hello guys! What did the goddamn shit? Alors. Ici on a une relique, 4 emblèmes et 8 ferrailles dont 23 guerriers. Putain, ça fait du mec à buter. J'espère qu'on aura le temps dans l'épisode. Alors. Mince, j'ai pas réussi à monter. Donc ça c'était le sniper, prendre le butin. T'es sérieux là? Il est même pas fichu tenir ce truc? Ah merde. Ah si, c'est par là. What? Ça tourne. Non. Donc en fait ce que j'ai pris là ne servait strictement à rien.
liberté. Boum. Raté. Nouveau record. Aïe. Aïe. Voilà. Raté. Ah. Raté. Boum. Prends mon couteau dans le nez ou dans le dos, ça dépend. Hop. Un instant. Voilà, re, chers amis. Donc, je vais y arriver. Ouh. Je me fais harceler de partout par les trucs qui servent strictement à rien. Non, je ne veux pas de vos tapis, marchand de mes deux. Hop. Hop les. Ah oui, il faut aller taper l'autre aussi, je me rappelle qu'il est au-dessus. Oui, parce que moi, il s'est passé 10 minutes, hein, le temps que la personne voulait me vendre ses conneries. Hein. Ah oui, apparemment, c'était un truc pour maigrir, tout ça. Pourrait perdre du poids rapidement avec ça. Bah oui, bah écoute. Je lui ai dit, je suis un cas désespéré, je suis un geek. Elle m'a pas cru. Ah là là, un de ces quatre, j'enregistrerai le son d'un de ces appels. Je le ferai. Je le préviendrai, je dirai voilà, est-ce que je peux vous enregistrer? Je reste dans le petit de la loi, je vous enregistre et je vous diffuserai dans une vidéo YouTube. Je ne connais pas le nom du gosse, un voisin l'a amené, je voulais que tu vois comment Toby s'adapte bien à sa nouvelle maison, c'est un bon chien, Marcel et Zoé. Oh, c'est triste. La confiance, les arbres, de vrais repas copieux, la sécurité, la joie. C'est tellement triste. Il y avait un truc à bouffer là, ouais. Dinky D. Hop les. Un petit peu de flotte. Une bonne gourde. Parfait. On est reparti. Alors là, on a par là. Non, on a rien par là. Non, non. Non, non, il y a strictement rien par là. Là, il y a de la ferraille. Ah, si, je viens de comprendre. Hop. 1, 2 et 3. Alors, il me faut encore 2 emblèmes et 6 ferrailles. Plus 15 guerriers. Le fait que les 15 guerriers soient ensemble, ça pourrait être tellement classe. Donc là, c'est un cul-de-sac normalement. Hop. Parfait. On le voit de là. C'est génial. C'est génial. Hop les. Alors. Est-ce qu'on y est ou pas? Est-ce que juste après, c'est le combat ou pas? Pas le gros apparemment. Hop, ça doit être à peu près le milieu du truc en fait. Non mais non, mais il dure combien de temps ton rush à couteau là? Ma couille. Il m'offre un sur un gratuit. Boum. Viens par là. Alors, à ton tour. Ah viens, viens, je t'attends. Raté. Viens, 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 je t'attends. Viens. Raté. Ah viens, viens, je te dis. Viens. T'as déjà vu le film 300? Allez, viens! Aïe! Bon, tant pis. Tant pis! De toute façon, il était pas solide. Je pensais que les bleus étaient plus solides que ça.
Hop. 5 sur 8 et 2 sur 4. Là, ça me permet de passer à l'intérieur. Il y a sûrement un truc en hauteur. Non, il était là. Et 3! Bon. Ah là, par contre, il y a le fameux passage, en fait, par là. D'accord. Intéressant. Peut-être qu'il y aura quelque chose à venir chercher par là, en fait. Bon. Et 1. Et 2. Et 3. Bonjour. Je prends un coup. Je re-remplis. Ça va être rapide normalement. Voilà. Comme quoi des fois on se demande. Hein. Hop. Là j'avais vu quelque chose. Hop. Ça c'est bon aussi. On progresse chers amis, on progresse. Tout se passe bien. Wouhou! Ah, il y a un aboyeur. Non! Aïe! Tu me gonfles, sac à caca! Raté! Dis au revoir à ton bras! Aïe! Raté! Raté! Et boum! Aïe! Dégage! Et boum! Aïe! Dégage avec ta jambe! Dégage avec ton bras! Alors, on est tout seul? Dégage! Bon, on a battu tout le monde. Éliminer les légendes scrabbles des alliés copies des armées le camp, tout ça on connaît. Encore un emblème et deux ferrailles qu'on a loupé. Donc est-ce qu'ils sont dans la fin ou est-ce qu'ils sont au début? C'est là qu'est la question. Bon, recharge. Menace réduite. Est-ce qu'on va gagner un point de menace? Enfin, est-ce qu'on va réduire suffisamment la menace? Non, non, pas encore. On est encore trop loin. Forcément. Alors là, par contre, on l'a. Ça, de ce côté-là, c'est bon. 2 et 3. What? Non! Oh, les salauds! Les salauds! J'ai eu les boules! Ah, les crevards, quoi! Putain! J'ai eu les boules! J'ai eu les boules que ça se casse la gueule, chers amis! Ah! Ah, les sacs! Alors! Il nous manque donc une chose. Pourtant, je croyais que le pont était. Enfin, la zone était atteignable des deux côtés du pont, normalement. Ah oui, là. Je vois, je vois. Hop. Merci, les gens. Hop. On ferme les vannes. D'accord, c'est pour descendre dans ces trucs-là. Ok, je vois. Ça, je comprends. Ça, j'ai compris. Hop, il me reste pendant une ferraille. Alors, tu veux bien le casser ou pas? 1, 2 et 3. Il me reste une ferraille à trouver dans ce camp. Et je ne l'ai pas trouvée. Donc, elle est sans doute dans la descente. Vous savez, dans la descente que je vous ai montré tout à l'heure. Plus qu'à espérer qu'on la trouve facilement. La pire des choses, ce serait que je l'ai oublié au tout début, ce serait tellement con. Allez. Allez.
Hop. Et ce serait là qu'elle serait. On évite de se suicider, par contre, ce serait pas mal non plus. Hop. On est toujours dedans. Pas là-dedans par hasard. Elle est pas là? Oula. Eh ben non, j'ai chié dans la colle, elle est pas là. Et je suis littéralement coincé. Qui plus est. Sauf si je peux remonter. Attendez. En tirant sur la... Ça m'étonne. Ils m'ont dit que le passage était faisable normalement. Ah ah ah. Je vais pouvoir monter par la base, hein. Donc il y a bel et bien un truc que j'ai pas suivi. Bon, c'est pas grave. Voiture. Pas maintenant. Voilà. Non mais oh. Bon, il m'écrase plus. C'est bon, ça c'est cool. Et n'empêche qu'il faut qu'on remonte quand même dessus. Hop là. Les chevaux de Skyrim. Bla. Raté. Marchera pas non plus. Dommage. Je me suis dit qu'en priant les chevaux de Skyrim... Peut-être que ça passerait, mais non. Mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non. Ah putain, mais est-ce qu'on vit mal? Voilà, ça c'est bon ça. Oui, vas-y, soigne-la, tu as raison. Elle le mérite. Bon, alors, il nous manque un truc. Il n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Là, putain, tout simplement. Bon, bah on l'a. On l'a en entier. C'est cool, on a 100%, on en a fait 15 à 100%, donc c'est... C'est qu'on est plutôt efficace. Faut dire que je ne les quitte pas. Si je n'ai pas le 100%, où est-ce que je suis? Ouh là là. Que cette caméra était moche. Donc, c'est devenu un peu plus clair, effectivement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Marquer le premier point avec la fusée, d'accord. Région des dunes. Enquête de glory. C'est ça, enquête de glory ou... Oui, voilà, c'est ça. Enquête de gloire, en fait. Donc, on a aussi une mission secondaire ici. On a un tremplin ici qu'il faudra absolument qu'on fasse. Je l'ai complètement oublié. Je l'avais complètement oublié. Je suis désolé, chers amis. Un butin... une rencontre butin ici. Une rencontre information, une rencontre butin encore. Une rencontre information. Une rencontre quête... Non, une rencontre décharge. Apparemment. Rencontre des charges aussi. Il n'y a pas un autre type de rencontre que je voulais pas aller voir? C'était pas ça? Non. Ah bon? Ah non, c'est les petites étoiles, je crois. C'est les petites étoiles qui font que... Je ne sais plus. Et celui-là, que je comprends pas pourquoi, il est toujours différent. Mais bon. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Pérou. Vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à cliquer dans le lien du descriptif de l'épisode vers mon partenaire GamesPlanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu. Et qui va sûrement m'en offrir d'autres, chers amis. Je vous fais un petit clin d'œil là-dessus. Réfléchissez bien. Vous aurez peut-être une petite idée de ce qu'ils m'ont peut-être déjà offert. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.